Oui. Pas de suite sur les alimentations chaudes et eau froide. On a une infiltration ici, on en a dans la cave. Comment? On a une petite fuite, mais qui est pas important, hein, mais qu'il faut réparer. Je vais prendre la lampe, hop. Là, ici, on a une petite fuite à l'écoulement, une petite fuite sur le cuivre d'alimentation d'eau chaude, hein. Mais à partir du moment où on l'ouvre, hein, c'est pas une fuite continue. Pour cette fuite ici et la cave au sous-sol, le problème vient de l'extérieur, exactement ici, partant depuis. Et puis si on descend de l'autre côté, forte pluie va longer les murs, faire comme un escalier et arriver de ce côté. Et on est aussi là. On n'a pas de fenêtre, etc. Et les petites choses ici. Plus une infiltration ici qui arrive en bas aussi. Ici, là, on est décollé, on le teste, on a bien de l'eau qui descend, mais qui n'a pas créé le sinistre principal. Cette idée recherche de fuite.